Salut à tous, c'est Mfoul et je suis toujours en compagnie de Freddy pour un 15e épisode, 14e, je sais plus. Je ne sais plus. Ah non, 12e, pardon. Oh! Oh bah c'est quoi ça? Hein? Ouais, on a Salut! testé un ange. Ange On a démoniaque. découvert l'utilité des... On a découvert l'utilité des statues d'ange en fait. Donc, Ouais, on a un ange qui est par contre, descendu du ciel. Par contre, c'est un ange c'est ça. démoniaque. Bon. Ouais, et on n'a droit qu'à un seul par partie apparemment, c'est... Mais je suis où? Mais bon. J'en folle? Freddy? Ouais, ouais. Et en plus, c'est un ange canadien. Oh my god! Oh! C'est un rêve qui se réalise. Je me suis dit Alors. depuis le début! Bon, j'étais en train de jouer tranquillement sur ma map et pouf! Ok, c'est bon. Alors. Bon, on va faire le petit discours de début. Hein. Donc voilà, donc Ange nous a rejoint sur notre map pour tourner cet épisode. Hein. Alors oui, elle est pas stuffée à l'eau hein, cette fois. On n'a pas fait cette bêtise de, de ramener quelqu'un qui est stuffé à l'eau. Désolé. Hein. Ouais. Et donc petite présentation de ce qu'on a fait hors caméra, parce qu'on a fait pas mal de choses. Donc la banque, comme vous pouvez le voir, en fait, on a doublé tous les coffres à tous les étages. Et on a mis, alors, sur une idée de Ange, on a mis des poubelles aussi qui vont nous servir en fait à nous vider pour pas ranger les coffres devant la caméra. En fait, on arrivera, hop, on se vide dans une poubelle ou alors dans les tonneaux qui sont là aussi. On a mis des tonneaux pour pas que ça fasse trop charger en poubelle. Bah, une poubelle ici, deux tonneaux là, deux tonneaux sur le côté et deux poubelles en bas. Donc ça nous servira pas mal. Donc on a rangé aussi les coffres, donc sur une idée de Natu. Donc Natu, lui, il remplit en fait tous ses coffres d'un seul élément. Et après, comme ça, quand tu passes sur le coffre, t'as juste à faire une pile rapide et hop, ça se met à l'endroit qu'il faut. Donc ça, c'est l'idée de Natu. Ok, on a crafté un truc pour moi, on a crafté enfin les ailes Ouais, de on avait voler. dit qu'on le ferait hors vidéo, hors caméra parce que je sais plus pourquoi. Donc on a crafté les ailes pour Freddy, on allait farmer la Soul of Light. Voilà, c'est ça qui nous manquait. Il nous manquait la Soul of Light. Et donc on a farmé la Soul of Light pour pouvoir faire des ailes à Freddy. Donc on est tous avec des ailes. Alors, bah là on va partir pour faire un petit wall of flèche, hein, le petit wall of flèche quotidien. Oh ouais, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai. En Ouais, moi non plus. plus, en fait, on n'a même pas dit ce Eh qu'on ouais, allait faire avant de pas du tourner. Mais c'est pas grave. Alors, en Et alors, descendant. faudra qu'on leur montre aussi ce qu'on a. Bah de toute façon, ils vont déjà avoir un bon bout de quelque chose. Ah mais là, on a raté un bout là. Quoi, Là, quoi, 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 qu'est-ce qu'on on a a enlevé rendu? un bout aussi. Là. Bah ici, là, on a bien vidé. Hein. Qu'est-ce que t'as bien vidé? Bah là où on a Mais où non, on est c'est plus passé bas. plus au-dessus. Ah, on est Oui, mais déjà ici aussi, passé? on a... Ouais, Ah oui, ici donc on ici. a... En fait, ici, on a bien farmé en fait la stone et la pearl stone, sand et puis la pearl stone tout court. On l'a fait ça hors caméra parce que c'était vraiment du minage de ressources en mode intensif. Intensif. Ici. En fait, ici, on a miné la pearl stone à fond. Donc vous voyez, Et c'est donc tout c'est pour vide. ça qu'on remercie Natu et Ange qui nous ont aidés. Ouais. Ouais. Alors, On a vraiment recruter. fait ça. Ah, et une épée. Car Une épée on a volante. vraiment fait ça assez rapidement, n'empêche, grâce à eux. Ouais. Ouais. Et on les Alors c'est assez remercie. sombre, par contre du coup je me balade avec une torche à la main. Alors bah allons en enfer là parce que c'était pas le but du début de cette vidéo. Hop, Non, ouais. enfin, on vous Et a montré Wall of ça. Flesh. Après le Wall of Flesh, on leur montrera pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Hein, parce que Ouais, comme on leur ça, pour montrera si ça. vous vous rappelez de l'épisode 9 c'était. Si vous vous rappelez de l'épisode 9 où nous avions commencé à construire une tour, et bah vous allez avoir des surprises. Donc ouais, on n'a pas fait grand chose de. On n'a pas fait avancer en fait, disons, ce qu'on a à faire dans la partie. On a juste farmé des ressources et remplacé des trucs, Ah voilà. mis En des fait, on a coffres. fait ce qu'on a dit qu'on ferait hors vidéo, quoi. Voilà, tout à fait. On n'a rien fait de plus. Hop là. Ah oui, c'est vrai Voilà, la qu'on. vieille maison toute pourrie. J'ai pas pris de statue. De. J'ai pas pris de lit non plus. Ah. Je remonte en chercher, je Non, suppose. attends. Bon, trop tard. Il y en avait là, hein, Oui. des poupées vaudou. C'est pas Non, grave. mais des lits. Un On s'en lit. fout, genre on va mourir. J'ai C'est pas de vrai. balles. Pff, oh là là, le gros fail. Est-ce que Moi, tu peux me ramener oui. des balles? Des balles. Ah oui, mais alors, il me faut de l'argent pour ça. Ouais. De l'argent. Hop là. On va J'ai mes... t'attendre. Oui, tu disais?
J'ai la même gun que Frame Foley Freddy. Ouais, c'est normal, c'est le mieux. Il est où le vendeur d'armes? Il est où le vendeur d'armes? Bon bah moi j'ai pris ma poupée vaudou, je vais en prendre une deuxième au cas où je me fail. Je te prends combien de balles? 2 stacks s'il te plaît. En quoi? En argent ou en... Oui en argent, ouais. Bon je on va juste... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne trouve pas le vendeur d'âme, d'armes. D'âme. Le vendeur d'âme. Il est où? Ah il est là, c'est bon, je l'ai. Ah non. Ah bah si, en fait, on va avoir besoin d'un lit. On va avoir besoin d'un lit. Tu m'as dit combien de balles? Bah tu peux ramener quoi? Deux stacks pour moi, j'avais dit. Deux stacks de balles en argent. Elle est pas loin derrière, moi. Ah, elle est là. Ok, il y a un mélange de musique, c'est étrange, mon enfant. Ah, j'ai plus de torche. Ah, mais j'ai plus de quoi en faire. Bon, bah, je vais en crafter devant vous. Hop. Bon, un petit début d'épisode un peu difficile, mais dans l'ensemble assez rigolo. Ça me rappelle l'épisode... c'est quand? C'est l'épisode précédent ou non? C'est il y a 2 épisodes. Où le démarrage contre le Wall of Flesh a été très chaotique. Donc j'espère qu'on mettra pas autant de temps à aller voir le Wall of Flesh. Donc pour parler un peu de moi, ben moi je fais des vidéos Minecraft puis un petit peu de vidéos Terraria. Oui, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Donc c'est Ange Démoniaque aussi sur YouTube. Ange Démoniaque 26. 26, donc, d'accord. Ouais. Ange Démoniaque 26 sur YouTube et sur Gear Network, Ange Démoniaque. Où tu as posté ta série Un Ange Doit Survivre, c'est ça? Sur ouais, Minecraft. Je me rappelle bien, j'avais commencé à regarder, je me rappelle. Et donc bah n'hésitez pas à aller voir. Ouais, et malgré le fait qu'Un Ange Doit Survivre, elle s'est fait découper en deux il n'y a pas longtemps. Découper en deux, là je comprends pas là. Ange Démoniaque s'est fait couper en tranches. Dans le chat. Ah, d'accord, ok. Ouh là là. Un marteau. Ça arrive. Ah, il va falloir qu'on fasse la même chose que ce qu'on a fait avec Lexa dans l'épisode précédent, c'est-à-dire aller gratter le fond de l'enfer, enfin le plafond de l'enfer, sur la droite. Bah on va faire ça après si tu veux. Oui tout à fait, maintenant qu'on a tous des ailes. Je vous attends. Voilà, on peut mettre notre point de spawn si vous voulez. Ah, donc je reviens parce que moi ça m'intéresse. C'est là. Et ouais. Ah oui, et en plus j'ai des balles pour toi. Oui. Moi je vais aller en haut ici. Hop là. Ah y'a un archer en haut, je vais aller dessus. Voilà. Allez, allons-y. Hop, un petit wall of flesh. Oh yeah! C'est dingue toutes les tombes qu'il y a dans le coin. Et ouais. En passant, oui, les filles peuvent jouer à Terraria, les filles peuvent jouer à Minecraft. Ah oui, hein, en fait, on a réussi à battre la règle numéro 8 de l'internet, c'est-à-dire la règle qui dit que toutes les filles sur internet sont des hommes, prouvez le contraire. ça rame un petit peu chez moi là. Hein? J'ai un peu de lag. Mais non. C'est ton cerveau qui lag. Non, oh, j'ai un petit peu de lag. Ah, c'est un peu bizarre parce que c'est toi qui héberge, donc si t'as du lag, ouais. J'espère que je m'aurai pas. Ah, oh si, oui, je viens d'avoir un lag là. Ouais. Oh bah, j'espère que ça va pas durer. Ouais. T'as la poupée au fait? Ouais, j'en ai deux. Ok. Donc si on veut se refaire des Wall of Flesh plus tard, d'ailleurs on aurait dû partir à droite du coup, vu qu'on allait gratter le plafond à droite. Hop. Ah bah c'est ici. Oui. Alors. Merde. On a l'habitude. Je me fais toujours jeter de poupée dans la lave. Voilà. Et j'ai mon emblème de le ranger, c'est bon. Où est mon coup pointeur? Que je refasse pas le même fail que l'autre fois. Je crois que tu le fais à chaque fois. De cliquer en dehors de la fenêtre, ouais, tout à fait. C'est ce qui fait mon charme.
ça devient trop simple de tuer, ça devient trop simple. Ouais, ça devient un peu simple hein, quand même. Hop là. Et encore un emblème. Ouais, youpi. C'est moi qui l'ai eu, je crois, l'emblème, je suis pas sûr. Détruisons tout ça. On n'a pas regardé pour te faire des armures, Freddy. Ah non, oui, bon, on va remonter de façon. Ah oui, non, on va. Non, on va aller dans les enfers là. On va aller dans les enfers, mais à droite. Alors, oui, cher viewer, on va me faire toutes les armures plus tard en mode magicien. Alors, pour le cobalt, vous inquiétez pas, on va devoir faire un casque hein, parce que oui, on a fait des casques en barbare ou je sais plus quoi. Et pour. Ah bah pareil pour le mitride, j'ai que le casque donc on le refera aussi parce qu'on a aussi de quoi le refaire donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ah parce que tu. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Pourquoi les refaire? Oui, parce que les stuff précédents, enfin les stuff cobalt, nitrile et adamantite, il faut les garder. Voilà, pour la suite du jeu. Car on apprend quand même là un point en dehors de des vidéos, sinon on n'avancerait pas. Imagine les vidéos. Bon, en fait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'1.1? Bah, je sais pas, j'ai pas regardé. Ah, et qu'est-ce qu'on fait du coup? Bah, je sais pas, j'ai pas regardé. Ah oui. Sous la flag. Ouais, est-ce qu'on a des Spelunky? Enfin, des Spelunker Potion. Spelunker Potion. Non, j'en ai pas sur moi. On en a pas pris, je crois. Oui, tout le monde nous conseille d'utiliser les Spelunker Potion. C'est. Oh 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 oh, il y a quoi ici? On a dépassé le point de. Ah oui. Il y a de la mitrine ici. C'est moi qui fais n'importe quoi. Non, du cobalt. Ah, oh, du cobalt, oh, merde. Chut, il y a des enfants qui nous regardent. J'ai une idée, moi je vais rentrer vite fait au village en haut. Ah mais non, ça veut dire qu'il faut que je défasse le point de spawn ou alors qu'il faut que je rentre à pied. Pourquoi faire? Que veux-tu faire là-haut? Pour aller chercher des Spelunker Potion. Tu crois mais qu'on en a encore? Si on ou en alors, a pas, craftez-en, ouais. Il me semble que c'est assez facile à faire. Ouais, je sais plus avec quoi par exemple. Je crois qu'il faut je remonte. Ouais, je vais vous dire ça tout de suite. Hein. Alors, potion. Est-ce que j'ai le wiki cette fois? J'ai préparé le wiki. Bien joué. Freddy sera notre notre encyclopédie. Il nous faut du gold ore, de la moon glow. Je sais pas si on en a beaucoup de la moon glow. Oh, on va en avoir quelques-unes. Ah mais c'est vrai que maintenant que j'ai les ailes, je monte beaucoup plus rapidement quoi. Je te rejoins, Ange. Le but c'est qu'un peu qu'on soit tous ensemble. Ouais. On va jouer à la bonne humeur. Ouais. Dans la dernière vidéo, c'est un peu plus dur hein, d'être tous ensemble mais. Pourquoi? D'ailleurs, tu te souviens pas de la vidéo? Enfin, c'est vrai qu'en même temps, il y a une semaine de décalage, mais en plus, Quelle vidéo? J'ai pas trop de celle d'avant celle-là. Bon, on était tous ensemble. Oui, mais bon, j'étais un peu à la traîne derrière. Parce que ah oui, c'est vrai, oui. Mais je dis pas plus parce que au moment où on tourne, la vidéo n'est pas encore postée et Ange ne l'a pas vue. Oups. Ah oui, tout à fait. C'est de ma faute, les amis. Et oui, effectivement, comme on a de l'avance dans le tournage, en fait, Ange n'a pas vu les dernières vidéos. Vous êtes censé les avoir vues si vous nous regardez. Enfin, ouais, sauf si vous nous découvrez à cette vidéo-là, dans ce cas-là, bienvenue à tout le monde. Bienvenue, nouveaux abonnés. Vous avez. Il y a que c'est leur anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire. Ouais. Ah oui, à tous les abonnés à qui c'est leur anniversaire, bon anniversaire. Hein. Ouais. Ça fait longtemps qu'on arrive. Alors, j'ai appris, Freddy, que. Il y a un de nos viewers, enfin un de nos abonnés qui a un guide qui s'appelle Freddy, justement. Oui, j'ai cru voir ça dans les commentaires tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de répondre parce que j'étais pas mal pris par le boulot. Mais j'ai vu ça et je me souviens plus de son nom. Je m'étais moi non plus, j'irai le revoir et puis dans la vidéo suivante, je vais le noter, je le remercierai. Ouh, voilà. ça pique. Ouais, ça pique. Donc. Si tu te reconnais, tu seras remercié dans la vidéo suivante. Ouais. Alors, est-ce qu'on a parce que malheureusement, je lis tous vos commentaires, mais j'ai aucune mémoire, moi. Donc, pour me rappeler de vos noms. Et la femme reste en enfer. L'âge démoniaque est vivante. Désolé, il fallait que je le dise. L'homme fou les morts. Ouais, j'arrive. Il me fallait des bottles of water.
Je peux vous en faire 10, ce Spelunky. Ouais, mine-toi par contre. Ce serait cool. Mine-toi par contre, j'aime bien le mec, il doit remonter jusqu'à la banque. Récolter tous les ingrédients et crafter les potions, et en plus on lui dit de se manier. À la limite, on pourrait dire merci quand même. Hein. Non, non, mine-toi. Je suis là, Ange. Mais attends, j'essaie de former. D'ailleurs, et voilà. Ça va devenir urgent qu'on se fasse une farm à plantes. Ouais. Ouais. Bah, prochain épisode, on construit une comment on peut appeler ça, une serre. Une serre, oui. Et quand est-ce qu'on fait le tutoriel sur les wires? Parce que ça peut bien s'y mettre aussi. Bah, dès que le temps nous le permet. Parce que oui, on vous a promis un tutoriel sur la wire. Même s'il n'y a pas non plus énormément à dire, hein. Enfin il y a quelques trucs à dire quand même. J'ai envie aussi de vous montrer quelques applications de la wire. Mais ça va être un peu compliqué. Et en fait c'est le temps de... Le fichier est en cours de rédaction, hein. Moi j'ai un fichier... Ah bordel, je suis mort. J'ai un gros fichier Word en cours de rédaction qui s'appelle Tuto Wire. Mais avant de le sortir, il faut que je le rédige complètement. Et qu'on fasse quelques expérimentations. Un tuto, ça se prépare beaucoup plus que des vidéos comme ça, aventure, hein, parce que aventure, on se dit juste ouais, bon, on fait quoi aujourd'hui, on y va, cool. Ok, ça c'est un vent. De quoi, pardon? Excuse-moi. Là. Oh yeah, des potions de spéléologue. Maintenant, il faut que je retrouve l'ange. J'arrive. Hop là. Bon bah y a, là il y a du minerai pourri mais on y va. J'arrive. Du sable d'ébène. Ils ont appelé ça bloc de sable d'ébène. Moi j'ai remis en américain. Enfin en anglais. Viens, viens ici. Tu veux mourir? Tu veux mourir? Non, ne meurs pas. Ouais, ah. Bah si, elle est morte. Bon, y a pas de minerai intéressant là-bas. Là-haut à droite, c'est du copper. Bon, on descend là à la limite et puis on redescend à deux. Ouais. Ah là, y a un truc là, intéressant, je crois. Non, je prends une potion. Comme ça, je vois ce que tu vois. J'arrive. Surtout que, ah oui, on a un projet secret là sur le serveur. Enfin, c'était secret que moi au début et Freddy a deviné. En même temps, c'est un peu normal. Mais il nous faut énormément de ressources diverses et variées, dont du cobalt à l'état brut. Donc, je vous laisse deviner. C'est pas possible, j'étais coincé et la petite chauve-souris là, elle s'est trouvée. Là à droite, il y a du minerai aussi. Si tu veux y aller. Il faut savoir que du cobalt, on doit en avoir 3 ou 4 stacks à 99 en brut, hein, dans le coffre. Si c'est pas plus. Donc je pense que ça va être suffisant, mais il nous faut du cobalt brut. Enfin, est-ce que d'ailleurs c'est assez... enfin, c'est de la bonne couleur. Je suis en train de me poser la question, j'ai un doute. C'est quoi ça? C'est du cobalt? Ça, c'est mes restes. Oh, à droite, il y a du rubis. En masse. Oh yeah. C'est quoi cette corruption qu'il y a dans l'enfer? C'est pas possible qu'il y ait de la corruption dans l'enfer. C'est ce que je disais dernièrement, en fait il y a de la corruption dans l'enfer et ça me saoule. On va mettre du halo dans l'enfer. Ah parce que du coup ça fait spawn des corrupteurs et les corrupteurs font très mal. Ouais. Du coup bah j'ai raté une Spelunky, c'est dommage parce que je suis mort à cause de ça. À cause d'un corrupteur. Âme de la nuit. Et puis en bas en plus il y a des snatchers qui nous envoient des flammes. C'est quoi là-haut là? Le minerai là-haut. Je crois que c'est du copper. Est-ce que je connais de mes amis qui seraient jaloux que je fasse une vidéo ma terraria? Toi tu me fais très mal toi. Ah et voilà. Ah oh oui, puis si vous allez voir sur ma chaîne, faites-vous-en pas, les vidéos Terraria ne sont pas finies, on est au courant. On n'avait plus le temps d'en faire, donc... Ben plutôt, mes amis avaient plus le temps d'en faire. Rejette la faute sur les autres, ouais. Ah mais c'est vrai, ils ont jamais le temps.
Je vais mourir. Non mais je rigole. J'ai un point de vie. Non, tu mourras pas. Ah merci. Je peux pas prendre de potion. Ma vie remonte, plus que 7 secondes avant la potion. Ah j'ai voulu le sauver, puis c'est moi qui est mort. Ah bah c'est du fer. En haut à droite, c'est du cobalt. On commence à en avoir un paquet de cobalt, hein. On n'est pas en manque. Par contre, ça serait bien de trouver de l'adamantite en masse. Oh mais là, j'arrête pas de mourir, ça porte comme ça. Ouais, c'est là, je n'ai pas regardé. C'est l'enfer corrompu là, ça fait mal. C'est parce que vous avez mis de la pierre, des bonnes. Des bonnes. Non, on a mis des bonbons nous. On n'a pas mis de la pierre. Non, si on a mis un si peu de pierre. Si on a mis de la pierre, et je pense que c'est pour ça que c'est un peu. Ah, Colin the Guide. On se le refait. Ouais, parce que Colin... Non, je rigole, pauvre Colin. Tous ceux qui nous regardent qui s'appellent Colin. Ceux qui s'appellent Colin, hein, désolé à vous, on va vous sacrifier dans environ 40 secondes. Ah, faut que je vienne, donc. T'es où? Sur un filon d'adamantite. Ah, ça... là, tu me plais quand tu dis ça, déjà. J'arrive. Ouais, mais de toute façon, je sais que je te plais tout le temps. Merde. Attends, je vais le faire. C'est bon, je peux le faire? Oh, merde. Vas-y, parce que ça fait deux fois que je me... Ah, moi aussi, je me suis fait aller. Hop, il est où? Elle est là. Il arrive de quel côté, du coup? Droite, je crois. Ah, il arrive là. Oh, on l'a jamais fait par la droite. Première fois pour vous. Et je vais mourir contre un wall of flesh. Ah non, c'est bon. Ah, ah c'est bon. Toujours et encore un emblème de warrior. Ouais, c'est pas grave. On aura sacrifié Colin. Désolé à tous les Colins. Mais bon, vous aurez eu un deuxième wall of flesh, hein, donc. Pas rien quoi, c'est... Notre prochain guide va s'appeler Cabillaud. Ah, je pensais morue moi, mais... Bah, morue c'est pas un poisson, hein. La morue c'est du cabillaud. C'est vrai en plus. Mais non, la morue c'est un poisson. Non, la morue ce n'est pas un poisson. Donc, moment la morue c'est du cabillaud séché. Et salé. Et salé. Mais peut-être au Québec, ah. Peut-être qu'au Québec c'est... Tu veux le refaire encore? Non, j'essaye de... Voilà. J'essaye de reboucher le trou. Sauf qu'avec du sable, ça marche pas très bien. Non. D'ailleurs, ça c'est une technique, hein. Si vous voulez enlever de la lave facilement, enfin ça marche pas vraiment, mais ça permet de recouvrir la lave assez facilement, c'est d'utiliser donc du sable. J'ai une question, les gars. Éternis. Est-ce que c'est normal que le sable que t'as mis s'est transformé en terre dans la lave? Non, je sais pas. Donc oui, pour l'instant Wikipédia, là, pour vous expliquer, la morue, c'est pas un vrai poisson, c'est du cabillaud qui est séché et salé. Et on appelle ça morue, je sais pas pourquoi. Parce ouais, qu'il est mort, Alors... Est-ce qu'on trouve des trucs intéressants au plafond? Bah moi non, pas tant que ça. Bon, il nous tarde de nous faire un boss hein, dans cette saison parce que... En ouais, fait là, le problème de la 1.1, c'est qu'on fait que miner du minerai et se préparer à tuer des boss, mais il y a un moment, il va falloir y aller quoi. Ah mais j'ai pas pris ma spelunker. Qu'est-ce que je veux dire? À un moment, faudra même essayer de faire un boss, même si on n'est pas prêt, comme ça, ce sera pour être fun.
Moi de l'adamantite. Ouais, est-ce qu'on a de l'adamantite? Ouais. Tu me plais quand tu dis ça. T'inquiète pas, tu nous plais tout le temps. Ok, ok. Ouh là là, je me fais. Waouh! 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 Ah non, c'est. Ah, ça, c'est du silver. Mais vous êtes où là? Vous êtes à 1000 km devant moi là. Bah, on gratte le plafond. Ouais, mais trop loin. Ah bah, désolé. En plus, vous torchez pas. Moi, j'aurais juste le plafond et si ça brille avec la spelunky, bah, je suis content, sinon non. Et comme j'ai une résolution pourrie, parce que mon ordinateur a du mal. Comme je vais mourir, moi. Ouais. Et, franchement, maintenant, je retrouve. Ah, mais je sais pourquoi on voit que dalle. Désolé, voilà, là, on va voir mieux. J'ai changé l'éclairage pour la vidéo. Ouais, j'ai trouvé un cœur. Alors là-bas, c'est du mithril, je crois. Moi, j'ai du cobalt. Oula, je suis passé en résolution 1024. Enfin, 1440 plutôt. Tu peux changer la résolution en plein cours de jeu. Bah, je jouais pas en plein écran, donc j'ai juste agrandi la fenêtre. Ah, d'accord. Vous allez. On va mener combien de temps comme ça? Je ne sais pas, on va essayer de voir. Ça va être un long épisode comme vous avez l'habitude? Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on tourne là? Aucune idée, j'ai pas regardé là. Moi non plus. Moi non plus. C'est pas nouveau! Ça va, ça va. Eh, méthode à l'arrache. Je tiens à vous dire que j'ai pas manqué une vidéo derrière M. Foley Fred. J'ai même écouté les deux points de vue, celle où est-ce que Freddy tourne aussi, hein. Ouais, alors ça, ça a été... c'est pas... Enfin, ça a été très mitigé, les retours sur ce double point de vue, parce que c'est vrai que ça a été fait maladroitement, en fait. Et en fait, c'est moins marrant pour nous, déjà, de tourner tout seul. Je pense qu'il faudrait que la prochaine fois qu'on fasse ça par toute petite session, par exemple, tu pars faire un truc ou quoi pendant que tu filmes, et genre que la vidéo, je l'incruste dans la mienne. En fait, qu'on fasse une espèce de petite miniature où tu... Voilà. Ou alors que je montre la construction des bâtiments, que certains préfèrent l'action ou tout dans le genre. Ouais, je sais pas trop, mais enfin, globalement, faut qu'on trouve un moyen d'avoir qu'une seule vidéo, parce qu'en fait, deux vidéos avec la même bande son, en fait, moi, c'est surtout ça que j'ai vu, en fait, c'est que deux vidéos avec la même bande son, c'est chiant. C'est vrai. Donc voilà. Il faut savoir que c'est assez stressant en plus, parce que moi, j'avais peur que mon ordinateur plante ou que Pratt plante ou que autre. Ah, un cœur. Problème de son et tout ça. Ouais. Ah, j'ai un problème sonore, mon drill fait plus de bruit. Ah. Panne d'essence. C'est quoi ça? Ah, de la dynamite. Ah, ça c'est du copper. La dynamite. Moi j'ai trouvé de la mithrile. Puis j'ai trouvé de la adamantite aussi pendant que vous parliez. Je vais pas vous couper la parole. Oh. Moi je trouve rien là. J'en ai pas vu une seule d'adamantite. J'ai du mal à trouver de l'adamantite. En même temps, vous allez plus loin que moi, donc du coup vous êtes en avance sur moi tout le temps. Attends, je vais rejoindre Renpool comme ça. Je suis là, Ange. Oh oui, je suis toute seule. je me sens seule. Je suis dans votre monde et tout, mais vous êtes même pas avec moi, donc je me sens comme si je jouais en solo. Ouais, mais c'est vrai. Il faudrait qu'on se fasse autre chose pour. Alors, est-ce qu'on a. Faut qu'on leur montre ce qu'on a fait aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, avec Ange hier. Et Natu. Ah oui, c'est vrai. Là, on a miné, mais on a aussi fait pas mal de trucs à côté. Enfin, pas mal de trucs. En vidéo. On a fait exactement la même chose qu'on avait fait dans une vidéo, sauf qu'on l'a fait mieux. Voilà. Est-ce que ça résume bien? Ouais. Enfin, on a amélioré une chose qu'on avait faite dans une vidéo. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Où elle est Ange là? Parce que elle se plaint qu'on soit pas avec elle, mais elle part devant comme ça là. Je suis revenu, je suis passé en. T'as utilisé ton miroir? Elle vient, elle,
Elle vient de me caler un vent, je me suis posé devant elle, elle s'est barrée. Ah, du mitril. Du mitril. Oh, un caleçon en mitril. J'ai une dernière spelunker, tu veux que je vais Ah non, les perles miroirs. Non, on va remonter. On va remonter, alors question. Qu'est-ce qu'il faut pour faire pour les objets du boss? Enfin, de n'importe quel boss. Attends, je te dis ça tout de suite. Je prends mon miroir, je rentre à la maison. Mais il est où mon miroir? Il est où mon miroir? Il est là. Rentrons à la maison. Tu viens, Ange? Ouais, j'arrive. Alors, je vous dis ça tout de suite pour un objet du boss. Je crois ça, je devine lequel, je suppose. Je sais pas, n'importe quel boss. Alors, ah bah la poubelle elle est déjà pleine. Hop, donc hors caméra, on a de l'eau. J'ai rien jeté d'intéressant, si le minerai de cobalt. Ouais, mais c'est ça que je vais faire, moi je vais pile rapide partout. Tout déposer, tout déposer, et je récupère mon grappin et mes potions. Ah ouais, c'est ça qui est dangereux par contre, c'est que ça dépose tout quoi. Cobalt et mitril, hop, et je crois que j'ai ramassé 47 de adamantite. Et eh bah, ben, allons fondre ça. Et tool of night, en oui, général. J'en ai, ils sont où? Ils sont là, l'adamantite, là. Je récupère le minerai. Les souls. Les soul of night et les soul of light, il faut ça. Ensuite, il faut des copper bars, des rotten chunks. Filez-moi tout votre minerai d'adamantite, vite. Je suis sur le wiki moi. Mais tout est dans les coffres. T'as tout mis dans les coffres. Non, il reste juste Freddy. Hop. On va crafter les barres. Tu vas pouvoir me dire si tu peux me faire un stuff en adamantite. C'est ça. Un peu de mitril. Un peu de cobalt. J'ai 55 barres d'adamantite. Donc toi, tu veux. Truc de magie, c'est ça? Ouais. Comment ça s'appelle? Coiffe d'adamantite augmente le maximum de mana de 80. Ouh. Ça fait mal, dis donc. Tiens, hop. Le torse. Hop. Et le futal. Hop. Il nous reste une barre d'adamantite. Tiens, vas-y, le pantalon. Ah, attends. Ah, tu l'as mis là. Ouais, j'essaye de... Attention. Ah, j'ai utilisé ma spelunker. Tu l'as récupéré? De quoi? T'as tout le stuff d'adamantite? Voilà, regardez, je vibre et je brille. Bah, moi aussi, je vais mettre toute mon armure en adamantite de bord. Ouais, du coup. Parce que oui, on a respecté ce que vous avez dit, c'est qu'on a amené personne qui avait une armure plus puissante que les nôtres. Et du coup, bah, Ange, elle a mis son armure qu'elle a d'habitude dans un de nos coffres. Notre coffre à invités, hein. On met, pas, les invités, ouais, on leur laisse un coffre quand même. Où est-ce qu'il est le coffre d'habitude où je mets la dame en titre? Ah, il est là. On n'a plus qu'une barre d'adamantite et 3 minerais. On se fiche, je suis surpuissant. Et j'ai 31 de défense. Mais c'est pas grave. J'ai crafté les barres de cobalt, moi je suis pas très malin. Par contre, les barres de mitril. Bah voilà, mais allons-y. Qu'est-ce qu'il faut pour crafter un objet de boss? Alors je te disais des soul of light. Alors attends, je le prends, je prends tout ça. Pousse-toi du coffre. Des soul of light. Des soul of night. Des copper bars. Attends, des soul of night, il faut. Ouais, il faut les deux types de dames. Il en faut combien dans la... Il en faut combien de soul of light? Il en faut 5 à 7, ça dépend des. Ah, parce que là, il y en a que 4 âmes de lumière. Ah, oh, à cause de ses ailes. Faudra aller dans l'underground, à l'eau, pour aller chercher. Sinon, pour un boss, on peut le faire avec des soul of night seulement. Il y a un boss qu'on peut faire avec des soul of night seulement. Allons-y. Il faut 6 rotten chunks. Et là, les viewers vont deviner lequel je parle. 5 copper bar et 5 iron bar. Et donc, faut faire ça sur la mitre et donc, tu prends 7. Ouais, je fais ça. Des copper bars, tu dis, et des iron bars. Je vais prendre mon argent à moi qui était dans le piggy, parce que la dernière fois que j'étais venu, je t'avais mis de l'argent dans le piggy. Donc.
Ok, donc ça on remet ça ici. Ça on remet ça ici. Ça y est, j'ai crafté le truc de boss. Par contre, est-ce que il fait... Ouais, c'est le début de la nuit, mais ça risque d'être un peu chaud. Bah, de toute façon, on risque forcément, on va forcément mourir. Hein. Je vais le faire maintenant. Oh oui, puis faites-le pas spawner à côté du village, ça ne pop pas, ça ne marche pas. Ah bon? J'ai essayé dans mon monde avec des amis et ça marche pas. Ah, parce que nous, sur le serveur de Natu, ça marchait. Ah. Allez, je le lance. Oh. Donc voilà, petit épisode surprise, on fait un boss comme ça, on sait pas du tout si on est prêt, on va voir ce que ça donne. Même moi, je n'étais pas au courant que ça se trouve pour elle. Alors, quelle est la meilleure technique pour le défoncer? Ça va disparaître du village, hein, je pense. Ouais, parce que là, on va toutes les PNJ. Bon, c'est pas le problème, mais le problème, c'est plus... Ah, bah, ça c'est va, bien beau d'avoir beaucoup de... C'est bien beau d'avoir beaucoup de mana en fait, mais j'ai pas de potion de mana, tu m'as pas laissé le temps de m'en faire. C'est pas grave. Ça va, ça remonte assez vite. Et non, mais j'en reviens pas, on va réussir à se le faire, tu penses? Je sais pas, moi je vais mourir déjà. Mais ça passe bien, j'ai l'impression. Ouais, j'en reviens pas, on fait une vidéo alors qu'on a galéré. Hein. Faut le dire, en hors vidéo, quand on l'a fait avec Natu, on a galéré à le battre. Et, voilà, attention, ne meurs pas Freddy, c'est bon. En fait, je vous explique, c'est une version améliorée du vert. Ouh là là, je suis sorti de l'écran, désolé. J'ai cliqué à côté de l'écran, encore une fois. Et je suis mort, ne mourrez pas les gens. Donc oui, c'est une version améliorée du vert. Et bah, il dépop si tout le monde est mort dans la carte. Donc alors on va se mettre un peu plus à gauche du village. Vous êtes encore dans l'équipe rouge? Ouais, c'est ouais. Bon. Ouais. Ah mais j'avais un champignon dans ma barre. Je suis mort. Il est pile dans la maison du point de spawn. Comment tu veux que je m'en sors? Alors attends, je vais avoir encore un champignon dans ma barre. Donc faut surtout pas que je fasse ça. Oulala, qu'est-ce qui m'a tué? Un race. Non, je ne meurs pas. Ouais, ne meurs surtout pas, là c'est bon. Au pire, on pourra en crafter un. Ouais. Attention. Donc voilà, c'était totalement improvisé et je pense qu'on va y arriver, hein. Non? Oh, vive le lag, j'avais pas vu cette fichue tête qui me... Et on l'a descendu pas mal de sa vie, hein. Ouais, par mais contre... est-ce qu'on va y arriver avant la fin de la lune? Ouais. Par contre, faut que je fasse un truc, c'est que je me suis planté, j'ai oublié quel est le coffre qui contient ça. Je pensais que t'allais dire, j'ai oublié de tourner. Voilà, j'ai mis mon emblème de guerrier. Oh non, je suis morte à cause d'une pixie. Tu le tapes avec la magie, Freddy? Ouais, je le tape avec la magie, comme c'est pas lui qui me tape avec ses dents. Moi c'est épée laser et ça passe bien. Je vais aller voir la nurse. Ah. J'ai pas mon emblème de magicien par contre sur moi. Ouais, bah va le voir dans les coffres, il est dans les coffres en haut. Alors où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il est là. Ouais, il va me retomber dessus, je sens, il va faire très mal. Il va me revenir sur la tronche. Va à gauche, va à gauche, Ange. Voilà, j'en étais sûr. C'est assez facile de prédire en fait dans quelle direction il va. Bah là par contre j'ai pas réussi à prédire, mais bon. Ne mourrez pas, ne mourrez pas, ne mourrez pas, ne mourrez pas, ne mourrez pas. Et après ce boss on arrête la vidéo parce qu'elle va être super longue. Tu crois? Ouais. Je pense, ouais. Et on a descendu la moitié de sa vie. On gère. Ouais. Oh, il a fait un nœud là. Ouais, autour de moi, hein. Le nœud, hein, je. Oh là là, il m'a fait super mal. Mais je vois pas les têtes, j'ai du lag du coup, je vois pas les têtes qui me tirent dessus. Moi.
Les espèces de petites boules là. Ouais. Ah, bizarre. Du coup, elles me tirent dessus et je les vois pas me tirer dessus en fait. Ah, c'est dommage ça. Surtout qu'elles sont utiles parce qu'elles lâchent des cœurs. Ah oui, au fait, on a une statue de cœur. J'avais dit qu'on n'utiliserait pas cette technique, mais... Il est bientôt mort, il est bientôt mort. Oh merde. Ouais, je suis mort. Enfin, c'est mauvais, c'est pas bon les mauvais mots. Faut être gentil avec ses amis. Ne meurs pas. Ah, je vais mourir. C'est bon, tu peux mourir, y'a Ange qui est revenu. Ouais, puis je suis full vie en plus, parce que ouais, moi, à chaque moi. Fois, je vais voir la nurse. Elle est où, elle est où? Elle est pas morte, la nurse. Elle est où? Elle est là. Salut toi, merci. Oh là là, ça c'est bon ça. En fait, on devrait mettre un lit point de spawn dans la maison de la nurse. Ah, c'est pas bête hein. Bah comme ça, à chaque fois que tu revis, tu lui parles et comme ça, hop. Oh. On lui a enlevé presque 60. Fais gaffe derrière toi, fais gaffe derrière toi, fais gaffe derrière toi, fais gaffe derrière toi. Il va revenir par là. Ah mais maintenant on a des mobs du Halo dans la ville quoi. J'ai utilisé une potion, j'aurais pas dû. Hop, coup de nerf. Oh non, le jour. Non, tu déconnes. Je te le jure. Non. Oh non. Eh bah oh désolé chers viewers, on a presque réussi. Bon, la prochaine fois on le lancera pile poil au début de la nuit et ça devrait passer. D'ailleurs, faudra peut-être dans les commentaires qu'on a géré. Hein. Ouais, faudrait peut-être qu'on trouve un moyen de se faire des meilleures armes aussi, parce que moi je suis encore au vieux sabre laser. Oh. Avant de partir, on a pu leur montrer un truc. Quoi donc? Bah, suis-moi. Ah oui. Alors déjà, on a mis du Halo partout. Ouais, enfin, ça fait Disneyland. Partout, parce que c'était de la corruption partout. Alors, j'ai appliqué une technique un peu longue et fastidieuse pour enlever le Halo, c'est-à-dire le drill. j'ai cliqué quasiment la tous les corruption, blocs de cette tu surface. Je crois que t'as dit Halo. Oui. Et donc la tour qu'on avait fait en pierre classique, on l'a refaite totalement en pierre du Halo. Donc je prends une torche. Alors, parce que là elle se voit pas trop bien. Pour ceux qui se posent une question, les pierres du Halo se farment avec des Pearlstone blocks que l'on trouve dans le Halo, dans l'Underground Halo ou dans le Halo. Et du Pearlstone Stand qui se trouve aussi dans des déserts Halo ou alors dans l'Underground Halo. Donc il faut deux Pearlstone Blocks avec un Pearlstone Stand pour avoir un Pearlstone Brick. Ouais. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi on a un gigantesque trou sous la map. Donc voilà, donc c'était bon, c'est pas fini la tour hein, évidemment, mais on a remplacé tout ce qu'on avait mis en stone par de la Pearlstone Brick. Voilà. C'est classe, vous avez le droit aussi de le dire. Ouais, donc pour tous ceux qui voulaient qu'on fasse des constructions en Pearlstone, bah voilà. Donc on va arrêter cette vidéo là, donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, mettez des pouces, des commentaires, des petits engrenages, vous savez où cliquer, c'est cool. Ange, bah merci d'être venu, hein, c'est super cool de nous avoir aidé d'ailleurs. Ça fait plaisir. Ça nous fait plaisir aussi à nous, et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo, salut. Ouais. Bye bye. Salut. Bye bye.